Elle avait le don, c'est vrai, j'en conviens. Elle avait le génie. Mais sans technique, un don n'est rien qu'une sale manie. Je ne suis pas du tout dépaysé. Bien qu'étant en Espagne, dans la maison où Goya est né. And you have to think of Jean-Claude in the same breath as you do Goya. C'est toujours assez passionnant de pénétrer dans l'intimité d'un peintre, de ce qu'il faisait pour lui et non pas pour les autres. On ne peut pas dire que c'est seulement un penseur, parce que c'est aussi un homme de la matière. C'est un pintor fondamental pour comprendre la vie en général et pour comprendre la brutalité de la violence et de la guerre. Pas loin de l'endroit où Goya est né, c'est resté comme un témoignage de ce qu'on peut appeler les horreurs de la guerre. Le grand témoin de l'Espagne, il est sourd. Alors c'était l'occasion d'une découverte. Goya est une fontaine pour tous. Approchons-nous d'elle.